Et nous voilà au parc Warner de Madrid. Première pour moi, visite de ce parc avec de très bonnes machines. On va découvrir ça. Bon, vu que Batman n'est pas encore ouvert, on va aller faire Arkham, Shadow of Arkham. Sort de Arkham et petite inverted BM, un classique du genre, on aime. Ça réveille bien dès le matin. On va continuer dans les grosses machines. On va aller, je pense, à Superman tant que Batman n'est pas ouvert. Sort de Superman, vraiment très bon. BMM, pas trop de vibration, ça allait, mais ouais, non, un bon coaster, sympa, sympathique. Et maintenant, on va aller faire une Madhouse. Traditionnel, on va aller se faire un petit tour des rapides. Bon, sortir des rapides, un peu mouillé quand même, mais bon, on va continuer dans les trucs d'eau et là on va aller faire les bûches. Des bûches et bon, on est trempé. Allez, on va se finir avec le grand splash
tant qu'à faire. Comme je disais, les bûches, vraiment le parcours était sympa. Là, le grand splash, il est assez basique, c'est juste une boucle, monter, hop, descendre. C'est bon. Vraiment, les bûches sont vraiment bien. La descente est impressionnante. On sort du grand splash et on est plus que trempé. C'est un carnage. Batman qui a ouvert à 17h, soit 5 heures après l'ouverture du parc. Mais bon, on a enfin pu le faire et waouh, quelle super machine, trop trop bien. Des gros airtime. Ouais, un super 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 coaster, impressionnant, des launches super puissants. Alors vraiment, c'était absolument génial. Là, il va revenir et là il va réaccélérer. Allons faire cette merde. Bon bah on ressort du boomerang Vekoma qui a tenu toutes ses promesses, à savoir c'est une grosse merde qui fout des claques, qui est inconfortable à bannir, ce genre de choses à détruire. De quoi on sort de Scooby-Doo, et c'était de la merde. C'était un truc, un shooter là, dans un décor qui était pauvre.
pauvre de chez pauvre en lumière noire. Allez, direction. Bip bip. Eh bien, écoutez, le petit bip bip. Sympa. Comme un petit coaster familial. Très agréable. Allez, dernier gros coaster de la journée. On va aller faire Coaster Express. On ressort de... comment il s'appelle, Express, là? Le Wooden Coaster. On va écouter. Pas beaucoup d'intérêt. Pas ouf. Pas ouf du tout. Peu de sensations, pas d'airtime. Rien. Débrief sur le Warner Bros. On a passé une super journée. Quelques petits points noirs, c'est l'entretien du parc, qui n'est pas foufou. Mais autrement, c'est vraiment bien, une bonne expérience. On a pu faire Batman qu'une fois, mais à part ça, de bonnes machines, etc. Manque d'entretien général du parc. C'est ça qui est dommage. Comme tous les parcs espagnols, vous allez me dire. Mais bon, c'est très bien. On passe une bonne journée, une très bonne journée même. Allez, à bientôt pour un prochain vlog.